franchir le col de Borgo pour arriver en Bucovine, elle a connu des périodes orageuses dont elle porte encore les marques. Il y a 50 ans, de grands incendies la ravagèrent coup sur coup. Au début du XVIIe siècle, elle avait soutenu un siège de 3 semaines, perdu 13 000 de ses habitants, sans parler de ceux qui tombèrent victimes de la famine et de la maladie. Le comte Dracula m'avait indiqué l'hôtel de la Couronne d'Or. Je suis ravi de voir que c'était une très vieille maison, car naturellement, je souhaitais connaître autant que possible les coutumes du pays. De toute évidence, on m'attendait. Lorsque j'arrivais devant la porte, je me trouvais en face d'une femme d'un certain âge, au visage plaisant, habillée comme les paysannes de l'endroit, d'une blouse blanche et d'un long tablier de couleur qui enveloppait et moulait le corps. Elle s'inclina et me demanda aussitôt « Vous êtes le monsieur anglais ?»« Oui, répondis-je, Jonathan Harker. » Elle sourit et dit quelque chose à un homme en manche de chemise qui avait suivi. Il disparut mais revint aussitôt et me tendit une lettre. Voici ce que je lus. « Mon ami, soyez le bienvenu dans les Carpates. Je vous attends avec impatience. Dormez bien cette nuit. » La diligence part pour la Bucovine demain après-midi à 3 h. Votre place est retenue. Ma voiture vous attendra au col de Borgo pour vous amener jusqu'ici. J'espère que depuis Londres, votre voyage s'est bien passé et que vous vous féliciterez de votre séjour dans mon beau pays. Très amicalement, Dracula. 4 mai. Le propriétaire de l'hôtel avait lui aussi reçu une lettre du comte lui demandant de me réserver la meilleure place de la diligence. Mais lorsque j'ai voulu lui poser certaines questions, il se montra réticent et prétendit ne pas bien entendre l'allemand que je parlais. Un mensonge assurément, puisque jusque-là, il l'avait parfaitement compris, à en juger en tout cas par la conversation que nous avions eue lors de mon arrivée chez lui. Lui et sa femme échangèrent des regards inquiets, puis il me répondit en bafouillant que l'argent pour la diligence avait été envoyé dans une lettre et qu'il ne savait rien de plus. Quand je lui demandais s'il connaissait le comte Dracula et s'il pouvait me donner certains renseignements au sujet du château, tous les deux se signèrent. Déclarèrent qu'ils en ignoraient tout et me firent comprendre qu'ils n'en diraient pas davantage. Comme l'heure du départ approchait, je n'eus pas le temps d'interroger d'autres personnes, mais tout cela me parut fort mystérieux et peu encourageant. Au moment où j'allais partir, la patronne monta à ma chambre et me demanda sur un ton affolé « Devez-vous vraiment y aller ? Oh, mon jeune monsieur, devez-vous vraiment y aller ?» Elle était à ce point bouleversée qu'elle avait de la peine à retrouver le peu d'allemand qu'elle savait et le mêlait à des mots qui m'étaient totalement étrangers. Quand je lui répondis que je devais partir tout de suite et que j'avais à traiter une affaire importante, elle me demanda encore « Savez-vous quel jour nous sommes ?» Je répondis que nous étions le 4 mai. « Oui, » fit-elle en hochant la tête, « le 4 mai, bien sûr, mais quel jour est-ce » Comme je lui disais que je ne saisissais pas sa question, elle reprit « C'est la veille de la Saint-Georges. Ignorez-vous que cette nuit, au 12 coups de minuit, tous les maléfices régneront en maître sur la terre ? Ignorez-vous où vous allez et au-devant de quoi vous allez ?» Elle paraissait si épouvantée que je tentais, mais en vain, de la réconforter. Finalement, elle s'agenouilla et me supplia de ne pas partir, ou du moins d'attendre un jour ou deux. Chose sans doute ridicule, je me sentais mal à mon aise. Cependant, on m'attendait au château, rien ne m'empêcherait d'y aller. J'essayai de la relever et lui dis sur un ton fort grave que je la remerciais, mais que je devais absolument partir. Elle se releva, s'essuya les yeux, puis, prenant le crucifix suspendu à son cou, elle me le tendit. Je ne savais que faire, car élevé dans la religion anglicane, j'avais appris à considérer de telles habitudes comme relevant de l'idolâtrie. Et pourtant, j'aurais fait preuve, me semblait-il, d'impolitesse, en repoussant ainsi l'offre d'une dame âgée, qui ne me voulait que du bien et qui vivait à cause de moi des moments de véritable angoisse. Elle lut sans doute sur mon visage l'indécision où je me trouvais. Elle me passa le chapelet autour du cou en me disant simplement « Pour l'amour de votre mère ». Puis, elle sortit de la chambre. J'écris ces pages de mon journal en attendant la diligence, qui naturellement est en retard. Et la petite croix pend encore à mon cou. Est-ce la peur qui agitait la vieille dame ou les effrayantes superstitions du pays, ou cette croix elle-même? Je ne sais, mais le fait est que je me sens moins calme que d'habitude. Si jamais ce journal parvient à Mina, avant que je ne la revoie moi-même, elle y trouvera du moins mes adieux. Voici la diligence. 5 mai au château. La pâleur grise du matin s'est dissipée peu à peu. Le soleil est déjà haut sur l'horizon qui apparaît comme découpé par des arbres ou des collines, sans que je puisse le préciser, car il est si lointain que toutes choses, grandes et petites, s'y confondent. Je n'ai plus envie de dormir. Et puisqu'il me sera loisible demain de me lever quand je voudrais, je vais écrire jusqu'à ce que je me rendorme, car j'ai beaucoup de choses étranges à écrire. Et pour que le lecteur ne croie point que j'ai fait un trop bon repas avant de quitter Bistritz, qu'il me permette de lui en donner exactement le menu. On me servit ce qu'on appelle ici un steak de brigand, quelques morceaux de lard accompagnés d'oignons, de bœuf et de paprika, le tout enroulé sur des petits bâtons et rôti au-dessus de la flamme, tout simplement comme à Londres nous faisons des abats de viande de boucherie. Je bus du médiac doré,
vin qui vous pique légèrement la langue, mais ma foi, ça n'est pas désagréable du tout. J'en pris seulement 2 verres. Lorsque je montais dans la diligence, le conducteur n'était pas encore sur son siège, mais je le vis qui s'entretenait avec la patronne de l'hôtel. Sans aucun doute, il parlait de moi, car de temps à autre, il tournait la tête de mon côté. Des gens assis sur le banc près de la porte de l'hôtel se levèrent, s'approchèrent d'eux, écoutant ce qu'ils disaient, puis, à leur tour, me regardèrent avec une visible pitié. Pour moi, j'entendais souvent les mêmes mots qui revenaient sur leurs lèvres, des mots que je ne comprenais pas. D'ailleurs, ils parlaient plusieurs langues. Aussi, ouvrant tout tranquillement mon sac de voyage, j'y pris mon dictionnaire polyglotte et cherchais la signification de tous ces mots étranges. J'avoue qu'il n'y avait pas là de quoi me rendre courage, car je m'aperçus, par exemple, que Ordog signifie Satan, Pokol, enfer, Strigoïka, sorcière, Vrolok et Vskoslak, quelque chose comme vampire ou loup-garou en 2 dialectes différents. Quand la diligence se mit en route, les gens qui devant l'hôtel s'étaient rassemblés de plus en plus nombreux firent tous ensemble le signe de la croix. Ils dirigèrent vers moi l'index et le majeur. Sans quelques difficultés, je parvins à me faire expliquer par un de mes compagnons de voyage ce que ces gestes signifiaient. Il voulait me défendre ainsi, me dit-il, contre le mauvais œil. Nouvelle plutôt désagréable pour moi qui partais à l'inconnu. Mais d'autre part, tous ces hommes et toutes ces femmes paraissaient me témoigner tant de sympathie, partager le malheur où ils me voyaient déjà, que j'en fus profondément touché. Je n'oublierai jamais les dernières images que j'emportais de cette foule bigarrée rassemblée dans la cour de l'hôtel, cependant que chacun se signait sous la large porte cintrée, à travers laquelle je voyais au milieu de la cour les feuillages des lauriers roses et des orangers plantés dans des caisses peintes en vert. Le cocher, dont les larges pantalons cachaient presque le siège tout entier, le siège, cela se dit Gotsa, fit claquer son fouet au-dessus de ses 4 chevaux, appelés de front, et nous partit. La beauté du paysage me fit bientôt oublier mes angoisses, mais je ne pense pas que j'aurais pu m'en débarrasser aussi aisément si j'avais saisi tous les propos de mes compagnons. Devant nous s'étendaient des bois et des forêts, avec ça et là des collines escarpées au sommet desquelles apparaissait un bouquet d'arbres ou quelques fermes, dont le pignon blanc surplombait la route. Partout, les arbres fruitiers étaient en fleurs, véritable éblouissement de pommiers, de pruniers, de poiriers, de cerisiers. Et l'herbe des vergers qui nous longions scintillait de pétales tombés. Contournant ou montant les collines, la route se perdait dans les méandres d'herbes vertes, où se trouvait comme enfermée entre 2 lisières de bois de pin. Cette route était des plus mauvaises, et pourtant nous roulions à toute vitesse, ce qui m'étonnait beaucoup. Sans doute le conducteur voulait-il arriver à Borgo Prang sans perdre de temps. On m'apprit que la route en été était excellente, mais qu'elle n'avait pas encore été remise en état après les chutes de neige de l'hiver précédent. À cet égard, elle différait des autres routes du Carpath. De tout temps, en effet, on a eu soin de ne pas les entretenir, de peur que les Turcs ne s'imaginent qu'on prépare une invasion, et qu'ils ne déclarent aussitôt la guerre qui, à vrai dire, est toujours sur le point d'éclater. Au-delà de ces collines s'élevaient d'autres forêts et les grands pics des Carpathes même. Nous les voyions à notre droite et à notre gauche, le soleil d'après-midi illuminant leur ton déjà splendide, bleu foncé et pourpre dans le creux des hauts rochers, vert et brun là où l'herbe recouvrait légèrement la pierre. Puis c'était une perspective sans fin de rocs découpés et pointus qui se perdait dans le lointain où surgissait le sommet neigeux. Quand le soleil commença à décliner, nous vîmes ici et là, dans les anfractuosités des rochers, étinceler une chute d'eau. Nous venions de contourner le flanc d'une colline et j'avais l'impression de me trouver juste au pied d'un pic couvert de neige, lorsqu'un de mes compagnons de voyage me toucha le bras et me dit en se signant avec ferveur, « Regardez, Isun Tek, le trône de Dieu !» Nous continuâmes notre voyage qui me paraissait ne jamais devoir finir. Le soleil derrière nous descendait de plus en plus sur l'horizon et les ombres du soir peu à peu nous entourèrent. Cette sensation d'obscurité était d'autant plus nette que tout en haut, les sommets neigeux retenaient encore la clarté du soleil et brillaient d'une délicate lumière rose. De temps à autre, nous dépassions des Tchèques et des Slovaques, vêtus de leurs fameux costumes nationaux, et je fis une pénible remarque, la plupart étaient goitreux. Des croix s'élevaient au bord de la route, et chaque fois que nous passions devant l'une d'elles, tous les occupants de la diligence se signaient, de haches, comme si c'eût été des lances. La nuit s'annonçait froide et l'obscurité semblait plongée dans une brume épaisse, chênes, hêtres et sapins, tandis que dans la vallée, au-dessous de nous, qui maintenant montions vers le col de Borgo, les sapins noirs se détachaient sur un fond de neige récemment tombé.
Parfois, quand la route traversait une sapinière qui semblait se refermer sur nous, de gros paquets de brouillard nous cachaient même les arbres. Et c'était pour l'imagination quelque chose d'effrayant. Je me laissais de nouveau gagner par l'épouvante que j'avais déjà éprouvée à la fin de l'après-midi. Dans les Carpates, le soleil couchant donne aisément des formes fantastiques aux nuages qui roulent au creux des vallées. Les collines étaient parfois si escarpées que malgré la hâte qui animait notre conducteur, les chevaux étaient obligés de ralentir le pas. Je manifestais le désir de descendre et de marcher à côté de la voiture, comme en pareil cas, c'est la coutume dans notre pays. Mais le cocher s'y opposa fermement. « Non, 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 me dit-il, ici il ne faut pas faire à pied même un bout de la route. Les chiens sont bien trop dangereux. » Et il ajouta ce qu'il considérait évidemment comme une sombre plaisanterie, car il consulta du regard tous les voyageurs l'un après l'autre, pour s'assurer sans doute de leur sourire approbateur. « Croyez-moi, vous en aurez eu suffisamment de tout ceci quand vous irez au lit ce soir. » Il ne s'arrêta que lorsqu'il lui fallut allumer ses lampes. Alors les voyageurs devinrent fort excités. Chacun ne cessait de lui adresser la parole, le pressant, à ce que je pus comprendre, de rouler plus vite. Il se mit à faire claquer son fouet sans pitié sur le dos des chevaux, et à l'aide de cris et d'appels les encouragea à monter la côte plus rapidement. À un moment, je crus distinguer dans l'obscurité une pâle lueur devant nous, mais ce n'était sans doute rien d'autre qu'une crevasse dans les rochers. Cependant, mes compagnons se montraient de plus en plus agités. La diligence roulait follement, ses ressorts grinçaient, et elle penchait d'un côté, puis de l'autre, comme une barque sur une mer démontée. Je dus me retenir à la paroi. Cependant, la route se fit bientôt plus régulière, et j'eus alors l'impression que nous volions bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite. Les montagnes d'un côté et de l'autre se rapprochaient, et semblaient à vrai dire nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents, gousses d'ail, roses sauvages, séchées, et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante, en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz. Le signe de la croix et les deux doigts tendus pour me protéger contre le mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant. Sur les deux bancs de la diligence, les occupants tendaient le cou pour examiner le rebord extérieur. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandais de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment. Enfin, nous parvînmes sur le versant est du col. Des nuages noirs s'amoncelaient, le temps était lourd, comme si un orage allait éclater. On eût dit que des deux côtés de la montagne, l'atmosphère était différente, et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ses lumières. Mais la nuit demeurait d'un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes cahotantes projetaient des lueurs dans lesquelles s'élevait la laine fumante des chevaux. Elles nous permettaient de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un soupir de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie. Ils se moquaient de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots qu'il me fut impossible de saisir, mais j'en devinais la signification. Une heure de retard. Puis, se tournant vers moi, il me conseilla dans un allemand encore plus mauvais que le mien, « Aucune voiture en vue, c'est que l'on n'attend pas, monsieur. Continuez le voyage avec nous jusqu'en Bucovine et vous reviendrez ici demain ou après-demain, cela vaudra mieux. » Tandis qu'il parlait, les chevaux se mirent à hennir et à ruer, et l'homme les maîtrisa à grand-peine. Puis, tandis que tous mes voisins poussaient des cris d'effroi et se signaient, une calèche attelée de 4 chevaux arriva derrière nous, nous dépassa presque, mais s'arrêta à côté de la diligence. À la lueur de nos lampes, je vis que les chevaux étaient splendides, d'un noir de charbon. Celui qui les conduisait était un homme de haute taille, doté d'une longue barbe brune et coiffé d'un large chapeau noir qui nous cachait son visage. Au moment même où il s'adressait à notre conducteur, je distinguais pourtant ses yeux, si brillants que, dans la clarté des lampes, il semblait rouge. « Vous êtes bientôt ce soir, mon ami, » lui dit-il. L'autre répondit sur un ton mal assuré. « Mais ce monsieur qui est anglais était pressé. Voilà pourquoi, je suppose, » répliqua le nouveau venu, « vous vouliez l'emmener jusqu'en Bucovine. Non, mon ami, impossible de me tromper, j'en sais trop, et mes chevaux sont rapides. » Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture. On voyait ses lèvres très rouges. Ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux de Lénore de Burger. « Dem die Toten reiten schnell »
car les morts vont vite. Le cocher de la calèche l'entendit certainement, car il regarda le voyageur avec de nouveau un étrange sourire. L'autre détourna la tête, tout en se signant et en tendant deux doigts. « Qu'on me donne les bagages de monsieur, » reprit le cocher. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mes valises passèrent de la diligence dans la calèche. Puis je descendis moi-même de la diligence, et comme l'autre voiture se trouvait tout à côté, le cocher m'aida en me prenant le bras d'une main qui me sembla d'acier. Cet homme devait être d'une force prodigieuse. Sans un mot, il tira sur les rênes, les chevaux firent demi-tour, et nous roulâmes à nouveau et à toute vitesse dans le col de Borgo. En regardant derrière moi, je vis encore à la lueur des lampes de la diligence fumer les naseaux des chevaux, et se dessinèrent une dernière fois à mes yeux les silhouettes de ceux qui jusque-là avaient été mes compagnons de voyage. Ils se signaient. Alors le conducteur fit claquer son fouet et les chevaux prirent la route de la Bucovine. Comme ils s'enfonçaient dans la nuit noire, je frissonnais et me sentis en même temps affreusement seul. Mais aussitôt, un manteau fut jeté sur mes épaules. Une couverture de voyage fut étendue sur mes genoux. Et le cocher me dit en un excellent allemand « Mauvais temps, mein Herr, et le comte, mon maître, m'a recommandé de veiller à ce que vous ne preniez pas froid. Le flacon de Slivokitz, l'eau de vie de la région, est là, sous le siège, si vous en avez besoin. » Je n'en pris pas une goutte, mais ce m'était déjà un réconfort de savoir qu'il y en avait dans la voiture. Mon inquiétude, cependant, était loin de se calmer. Au contraire, je crois que si j'en avais eu la possibilité, j'aurais interrompu ce voyage de plus en plus mystérieux. La calèche, elle roulait de plus en plus vite, tout droit. Soudain, elle tourna brusquement, prit une autre route, de nouveau toute droite. Il me semblait que nous passions et repassions toujours au même endroit. Aussi y appliquai-je mon attention, essayant de retrouver tel ou tel point de repère, et je m'aperçus que je ne m'étais pas trompé. J'aurais voulu demander au cocher ce que cela signifiait. Toutefois, je préférais me taire, me disant que dans la situation où j'étais, j'aurais beau protester s'il avait reçu l'ordre de traîner en route. Bientôt, cependant, j'eus envie de savoir l'heure et je fis craquer une allumette afin de consulter ma montre. Il était près de minuit. Je tressaillis d'horreur. Sans doute, les superstitions à propos de tout ce qui se passe à minuit m'impressionnaient-elles davantage après les événements insolites que je venais déjà de vivre. Qu'allait-il arriver maintenant? Un chien se mit à hurler au bas de la route, sans doute dans une cour de ferme. On eût dit un hurlement de peur qui se prolongeait. Il fut repris par un autre chien, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que porté par le vent qui maintenant gémissait à travers le col, ses cris sauvages et sinistres parussent venir de tous les coins du pays. Il montait dans la nuit d'aussi loin que l'imagination pouvait le concevoir. Aussitôt, les chevaux se cabrèrent, mais le cocher les rassura en leur parlant doucement. Ils se calmèrent, mais ils tremblaient et suaient, comme s'ils avaient fait une longue course au galop. Ce fut alors que des montagnes les plus éloignées, nous entendîmes des hurlements plus impressionnants encore, plus aigus et plus forts en même temps. Des loups. Je fus sur le point de sauter de la calèche et de m'enfuir, tandis que les chevaux se cabraient et ruaient à nouveau. Le cocher n'eut pas trop de toute sa force pour les empêcher de s'emballer. Mes oreilles pourtant s'accoutumèrent bientôt à ces cris, et les chevaux laissèrent le cocher descendre de la voiture et venir se placer devant eux. Il les caressa, les tranquillisa, leur murmura toutes sortes de mots gentils, et l'effet fut extraordinaire. Aussitôt, quoique ne cessant pas de trembler, ils obéirent au cocher qui remonta sur son siège, reprit les rênes et repartit à toute allure. Cette fois parvenu de l'autre côté du col, il changea de direction et prit une route étroite qui s'enfonçait vers la droite. Bientôt nous fûmes entre deux rangées d'arbres qui, à certains endroits, formaient réellement une voûte au-dessus du chemin, si bien que nous avions l'impression de traverser un tunnel. Et de nouveau, de part et d'autre, de grands rochers nous gardaient, sans rien perdre cependant de leur air menaçant. Abrités de la sorte, nous entendions toutefois le vent siffler et gémir entre ces rochers, et les branches des arbres s'agitaient violemment. Il faisait pourtant de plus en plus froid, une neige très fine commençait à tomber. Il ne fallut pas bien longtemps pour que tout fût blanc autour de nous. Le vent nous apportait encore des hurlements de chiens, encore qu'ils nous parvinssent de plus en plus faibles à mesure que nous nous éloignions. Mais à entendre les loups, on eût dit au contraire qu'eux se rapprochaient sans cesse, qu'ils finiraient par nous entourer complètement. J'en étais, je l'avoue, fort effrayé. Je voyais que l'inquiétude recommençait à s'emparer des chevaux également. Le cocher, cependant, restait parfaitement calme, regardant à gauche puis à droite, comme si de rien n'était. J'avais beau essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, je n'y parvenais pas. Tout à coup, assez loin sur notre gauche, j'aperçus une petite flamme bleue qui vacillait. Le cocher dut la voir en même temps que moi, car aussitôt, il arrêta les chevaux, sauta à terre et disparut dans la nuit.
Je me demandais ce que j'allais faire. Les loups hurlaient de plus en plus près de la voiture. J'hésitais encore quand le cocher réapparut soudain et sans dire un mot remonta sur son siège et se remit en route. Peut-être m'étais-je endormi et cet incident ne cessait-il de m'obséder en rêve, car il me semblait qu'il se renouvelait indéfiniment. Oui, quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar horrible. À un moment donné, la flamme bleue jaillit si près de nous sur la route qu'elle me permit, dans l'obscurité profonde, de suivre chacun des gestes du cocher. Il se dirigea d'un pas rapide vers l'endroit où brillait la flamme. Éclat bien faible, malgré tout, puisque c'est à peine si l'on distinguait le sol alentour. Il ramassa quelques pierres qu'il entassa de manière assez étrange. Une autre fois, un effet d'optique à peine croyable se produisit. Se tenant entre la flamme et moi, il ne me la cachait pourtant pas le moins du monde. Je continuais à voir parfaitement la lueur vacillante et mystérieuse. J'en restais un moment stupéfait, mais je me dis bientôt qu'à force de vouloir percer l'obscurité, mes yeux m'avaient trompé. Alors nous roulâmes un bon moment sans plus apercevoir de flammes bleues, mais les loups hurlaient toujours, comme s'ils nous encerclaient et comme si leur cercle avançait avec notre calèche. Le cocher mit de nouveau pied à terre et cette fois s'éloigna davantage. Pendant son absence, les chevaux tremblaient encore plus fort qu'ils ne l'avaient fait jusque-là, commencèrent à s'ébrouer, à hennir de peur. Je cherchais en vain la cause de cet effroi, puisque justement plus aucun loup ne hurlait, quand soudain la lune qui... et je vis à sa lueur blafarde les loups qui nous entouraient, montrant leurs dents blanches et leur langue rouge et le poil hérissé. Dans ce silence menaçant, ils étaient 100 fois plus effrayants que lorsqu'ils hurlaient. Je commençais à mesurer le danger que je courais. La peur me paralysait. Puis tout à coup, ils recommencèrent à pousser leurs hurlements, comme si le clair de lune avait sur eux quelque effet particulier. Les chevaux se démenaient d'impatience, se promenaient autour d'eux des regards à faire pitié. Mais le cercle vivant, le cercle d'horreur restait fermé autour d'eux. J'appelais le cocher, je lui criais de revenir. Il me semblait que la seule chance qui me restait était d'essayer de briser le cercle pour faciliter son retour. Je criais donc encore et frappais sur la portière de la voiture, espérant effrayer les loups qui se trouvaient de ce côté-là et permettre ainsi à l'homme d'approcher. Comment fut-il là? Je n'en suis rien, mais j'entendis sa voix autoritaire et regardant dans la direction d'où elle venait, je le vis au milieu de la route. Tandis que de ses longs bras, il faisait le geste de repousser un obstacle invisible, les loups reculaient peu à peu. À ce moment, un gros nuage couvrit la lune, et de nouveau l'obscurité fut complète. Lorsque mes yeux y furent accoutumés, je vis que le cocher remontait dans la calèche, et que les loups avaient disparu. Tout cela était si étrange, si inquiétant que je n'osais ni parler, ni faire un seul mouvement. Le voyage me sembla interminable dans la nuit que la lune n'éclairait même plus. Nous continuions à monter et la route monta encore longtemps, bien que parfois mais rarement la voiture prit de courtes descentes rapides pour aussitôt gravir une nouvelle côte. Tout à coup, je m'aperçus que le cocher faisait rentrer les chevaux dans la cour d'un grand château en ruine. Les hautes fenêtres obscures ne s'échappaient aucun ray de lumière. Les vieux créneaux se découpaient sur le ciel où la lune en ce moment triomphait des nuages. Journal de Jonathan Harker, suite, 5 mai. Sans doute m'étais-je endormi, sinon comment aurais-je pu ne pas être frappé par le spectacle qu'offrait ce vieux château? Dans la nuit, la cour paraissait grande et comme en outre plusieurs passages obscurs partaient de là et conduisaient sous de grandes arches, cette cour paraissait peut-être encore plus grande qu'elle n'était en réalité. Je ne l'ai pas encore vue pendant la journée. La calèche s'arrêta, le cocher en descendit, puis me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour. De nouveau, je ne pus m'empêcher de sentir sa force prodigieuse. Sa main ressemblait à un étau d'acier qui, s'il l'avait voulu, aurait bel et bien écrasé la mienne. Il prit ensuite mes bagages, les posa à terre, à côté de moi, qui me trouvait près d'une grande porte ancienne, toute cloutée de caboches de fer. L'embrasure était de pierre massive. Malgré l'obscurité, je remarquai que la pierre était sculptée, mais que le temps et les intempéries avaient considérablement usé ces sculptures. Le cocher remonta sur son siège, agita les rênes, les chevaux repartirent et la voiture disparut sous un des passages obscurs. Je restais là, ne sachant que faire. Pas de cloche pour sonner, pas de marteau pour frapper. Et il n'était pas vraisemblable que l'on pût entendre ma voix de l'autre côté, de ces murs épais et de ces fenêtres noires. J'attendis de longs moments qui me semblèrent sans fin, sentis revenir toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses.
Où donc étais-je venu? Devant quels gens allais-je me trouver? Dans quelle sinistre aventure m'étais-je engagé? Était-ce un incident ordinaire dans la vie d'un clerc de sollicitor qui arrivait ici pour expliquer l'achat d'une propriété sise près de Londres? Clerc de sollicitor, voilà qui n'aurait pas plu à Mina. Sollicitor, plutôt. Car quelques heures à peine avant de quitter Londres, j'en ai été informé, j'avais réussi mes examens. J'ai donc le titre de sollicitor. Je me mis à me frotter les yeux, à me pincer un peu partout pour m'assurer que j'étais bien éveillé. Car je croyais au contraire faire un horrible cauchemar. Je me disais que j'allais bientôt rouvrir les yeux pour constater que j'étais chez moi, que l'aurore éclairait peu à peu mes fenêtres. Ce n'aurait pas été ma première nuit de sommeil agitée après une journée de travail excessif. Mais non, j'avais mal partout où je me pinçais, et mes yeux ne me trompaient point. J'étais parfaitement éveillé et me trouvais dans les Carpates. Je n'avais qu'une chose à faire, patienter, attendre le matin. J'en étais arrivé à cette conclusion lorsque j'entendis un pas lourd approcher derrière la grande porte. En même temps, je vis par une fente un ray de lumière, puis ce fut le bruit de chaînes que l'on détachait et de gros verrous que l'on tirait. On mit quelques instants à tirer une clé dans la serrure. Sans doute, celle-ci n'avait-elle plus servi depuis longtemps. Et la grande porte s'entr'ouvrit. Devant moi se tenait un grand vieillard, rasé de frais, si l'on excepte la longue moustache blanche, et vêtu de noir, des pieds à la tête, complètement de noir, sans la moindre tache de couleur nulle part. Il tenait à la main une ancienne lampe d'argent dont la flamme brûlait sans être abritée d'aucun verre, vacillant dans le courant d'air et projetant de longues ombres tremblotantes autour d'elle. D'un geste poli de la main droite, l'homme me pria d'entrer et me dit en un anglais excellent, mais sur un ton bizarre, « Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. » Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue, comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié. Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue saisit la mienne avec une force qui me fit frémir de douleur, d'autant plus que cette main était aussi froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort qu'à celle d'un vivant. Il répéta « Soyez le bienvenu chez moi, entrez de votre plein gré, entrez sans crainte et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. » La force de sa poignée de main, en outre, me rappelait à tel point celle du cocher, dont à aucun moment je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore au cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. « Le comte Dracula, fis-je. » S'inclinant courtoisement, il répondit « Oui, c'est moi, le comte Dracula, et je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, entrez, la nuit est froide, vous avez certainement besoin de vous reposer, et aussi de manger quelque chose. » Tout en parlant, il posa la lampe sur une console fixée au mur et descendant le seuil, il alla prendre mes bagages. Avant que j'eusse pu l'en prévenir, il les avait mis dans le corridor. J'ouvris la bouche pour protester, mais aussitôt, il m'imposa silence. « Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard, tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de vous conduire moi-même à votre appartement. » Il insista, voulant à tout prix porter mes valises. Il traversa le corridor, prit un grand escalier en colimaçon, puis un autre couloir, sur le pavé duquel chacun de nos pas résonnait longuement. Arrivé au bout, il poussa une lourde porte, et je fus tout aise de me trouver dans une chambre bien éclairée, où la table était dressée pour le souper, et où un grand feu de bois flamboyait dans l'imposante cheminée. Le comte s'arrêta, déposa mes bagages, ferma la porte, et traversant la chambre, se dirigea vers une autre porte, qui ouvrait sur une petite pièce octogonale, éclairée par une seule lampe. Je n'y vis aucune fenêtre. Passant par cette pièce, mon hôte alla vers une autre porte encore, la poussa, et m'invita d'un geste à franchir ce nouveau seuil. Ah, l'agréable spectacle! C'était une vaste chambre à coucher, bien éclairée et chauffée, elle aussi, par un grand feu de bois. Visiblement, on venait de l'allumer, mais il ronflait déjà dans la haute cheminée. Ce fut encore le comte lui-même qui apporta mes valises dans cette chambre, puis il se retira et me dit au moment de refermer la porte, vous désirez certainement, après ce voyage, vous reposer un peu et changer de vêtements. J'espère que vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous serez prêt, revenez dans l'autre chambre. Votre souper vous y attend. La lumière et la bonne chaleur, la courtoisie du comte aussi, tout cela semblait avoir mis fin à mes angoisses. Rassuré, je m'aperçus tout à coup que j'étais à demi-mort de faim. Je fis rapidement ma toilette et retournai dans l'autre chambre, comme m'y avait invité le comte. Le repas était déjà servi. Mon hôte appuyé à l'un des côtés de la cheminée me désigna la table d'un geste aimable. « Je vous en prie, dit-il, prenez place et soupez à votre aise. Vous m'excuserez, j'espère, si je ne partage pas votre repas, mais ayant dîné, je ne pourrai point souper. » Je lui
lui tendit la lettre scellée que M. Hawkins m'avait remise pour lui. Il l'ouvrit et la lut, l'air grave. Puis, avec un charmant sourire, il me la donna pour que je la lise à mon tour. Un passage au moins de cette lettre me combla de joie. Je regrette vraiment qu'une nouvelle attaque de goutte m'empêche de voyager en ce moment, et m'en empêchera pendant un bon bout de temps, je le crains. Néanmoins, je suis heureux de pouvoir vous envoyer à ma place quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Ce jeune homme est plein d'énergie, il connaît parfaitement son métier. Je le répète, on peut avoir confiance en lui. Il est la discrétion même et je pourrais presque dire qu'il a grandi dans mon étude. Pendant son séjour chez vous, il sera à votre disposition chaque fois que vous le désirerez et en toute chose, il suivra vos instructions. Le comte quitta la cheminée pour venir lui-même ôter le couvercle d'un plat et l'instant d'après, je mangeais un poulet rôti qui était un vrai délice. Ajoutez à cela un peu de fromage.